Bonjour à toutes et à tous, je suis Raelus et bienvenue dans ce nouveau Let's Play de Golden Sun de l'HPR2. Oui, on commence avec une faute de frappe, donc l'âge perdu. J'avais fait Golden Sun 1 en disant que je ferais jamais le 2, mais j'ai changé d'avis et parce que je ne sais plus du tout ce qu'il s'y passe. Alors on va commencer ça tout de suite. Donc je le rappelle, Golden Sun 2, l'âge perdu, recréé, enfin édité en 2001-2003 par Nintendo et Camelot, qui est un très bon RPG sur Game Boy Advance. Nous introduisons déjà un nouveau personnage, celui de Pavel. Regardez Pavel. Alors je vais transférer mes données de Golden Sun 1, parce que j'ai juste à côté de moi, ça se voit pas, des captures d'écran du mot de passe or. Donc ça va être très long à recopier pour les transférer dessus. Donc par mot de passe, je peux aussi le faire par câble, sauf que je suis sur un émulateur. Alors voilà, je le rappelle, pour bronzer niveau plus le jean en votre possession. Donc je crois que j'étais niveau autour de 30-35 voire plus, et j'avais tous les jeans. Le bronze c'était le stade du personnage, ensuite c'était les pièces et les objets. Donc je vais prendre le code or, voilà, avec une petite musique épique en fond. Seulement, vu que ça va prendre un peu de temps, je vais faire un premier accéléré dès le début pour ce jeu. Et oui, et je vous retrouve juste à toute fin vers la page 6. Attention, c'est parti pour accélérer de fou. Ça y est, le mot de passe était accepté, ça m'a bien pris un petit quart d'heure. La partie peut commencer dès maintenant. Donc Vlad, je garde ce nom. Alors, les détails, voyons. J'étais autour du niveau 30. Alors, que je me rappelle, 1, 2, 3, 4, 7.
Oui, j'avais 7 djinns en tout. Donc c'est bon. C'est parfait. Enfin. D'après les légendes, Weyar était jadis régi par les forces de l'alchimie. L'alchimie changea les fondements de l'humanité en civilisation avancée, telle du plomb changé en or. Mais les rêves des âmes causèrent de graves conflits. Des rêves de vie éternelle, de richesse infinie, de pouvoir, de rêves, de conquête et de guerre. Le monde semblait promis à un funeste destin. Mais des hommes parvinrent à isoler l'alchimie dans les profondeurs du temple de Sol, sur le mont Alpha. Prologue du premier tome. Ce secret fut bien gardé dans le village de Van, jusqu'au jour où Vlad et Lina, qui perdirent leurs parents dans une tempête voilà 3 ans, s'infiltrèrent dans le temple. Salamander et Phoenixia du clan de Mars les suivirent jusqu'au temple en compagnie du frère de Lina, Pavel, qui était supposé avoir péri lors de la terrible tempête. Salamander et Phoenixia dérobèrent les étoiles élémentaires pour briser le sceau qui isolait l'alchimie, puis ils kidnappèrent Lina et le savant Telos. Je dis Telos, c'est comme ça que j'ai appris. Ces 4 étoiles peuvent allumer les phares élémentaires et briser les chaînes de l'alchimie. Vlad et Gareth devaient arrêter Salamander, sauver leurs compagnons et rapporter les étoiles au temple de Sol. Ils s'allièrent à un mystique, Ivan, puis partirent aux trousses de Phoenix et Salamander. Cette poursuite les mena à Ymir, tout près du phare de Mercure. Là-bas, ils rencontrèrent la gardienne du phare, une mystique de l'eau appelée Sophia. Elle s'allia au groupe et suit Salamander jusqu'au phare de Mercure. Mais Vlad ne parva pas à empêcher Salamander d'allumer le phare et de fuir. Vlad partit donc à sa poursuite, traversant Angara pour atteindre Caragol. À Caragol, Vlad prit le large. Après un voyage agité, ils atteignirent Tolbi. Ils s'entretinrent alors avec le chef du village, un être étrange appelé Babi. Babi invita Vlad au Colisée pour tester sa force. Grâce à sa psy-énergie, Vlad gagna le tournoi, mais aussi la conscience de Babi, qui lui révéla un grand secret. Babi était vieux de 150 ans. Une potion magique provenant de la terre perdue Lemuria était la cause de ce miracle. Babi offrit son aide à Vlad, qui ratissait alors Gondowan. À la Livero, Vlad apprit que Salamander Phoenixia avait enlevé une jeune fille appelée Cilia. La force de Cilia allait leur être utile pour allumer le phare. Vlad les affronta. Bien qu'il fût le plus fort, il était trop tard pour empêcher que le phare soit allumé. Un cataclysme s'ensuivit. La mer emporta Cilia. Pavel tenta de la sauver, mais il ne put lutter contre la force des vagues. Lina partit à leur recherche, mais ne retrouva pas leurs traces. Vlad regagna la Livero. Babi le pressa de retrouver Lemuria et les autres phares. Babi donna à Vlad un navire lémurien pour atteindre la terre perdue. Ce nouveau chapitre s'ouvre avec Lina, juste avant que le phare de Vénus ne soit allumé. Flashback. Par contre, les dialogues, je lirai jamais. Camelot présente le meilleur RPG de tous les temps. Golden Sun, tome 2. Ça, à l'époque, ça claquait sévère. L'âge perdu.
c'est parti, préface de dialogue. Et nous aussi sous commande d'un nouveau personnage, donc c'est Lina. Non, je pense sauvegarder. Voilà. Donc Lina qui depuis tout le temps n'a jamais dépassé le niveau 5. Pour une raison qui m'est obscure. Et qui a récupéré l'équipement que je lui avais volé. Pourquoi pas. Et donc c'est parti, donc pour vous resituer un petit peu. On est actuellement donc l'équipe de Vlad, Garrett, Sophia et Ivan sont en train de combattre Salamander Phoenixia. Donc je pense que ça doit être la forme finale là. Et Pavel est en train de remonter. Pendant que nous on est en train de se barrer avec Telos. J'arriverai jamais, je dis Telos. Et Alex. Je me souviens qu'il y a un coffre quelque part. Non, pas là. Je suis sûr, j'ai le souvenir qu'il y a un coffre quelque part. Voilà. Moi, je m'en souviens plus. Tant pis. Ah non, c'est de ce côté, oui.
Exact. Je sais plus ce qu'il y avait dans ce coffre à la base. Alors au début il y aura beaucoup de cinématiques, donc cet épisode sera très long. Je m'arrêterai à un moment précis, mais il faut savoir qu'il y aura beaucoup de dialogues. Voilà, donc après cette petite phase de discussion, nous devons nous rendre sur la péninsule d'Hidejima. Je laisse profiter la musique des combats qui est quand même vachement bien. Voilà. Donc en fait, pour je crois une mission pour les battre en un seul coup, faut utiliser gaz. Voilà. Ça me consomme les masses de propre synergie quand même. Et donc nous revoici à la porte de Chuelia.
je crois. Je suis là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça va extrêmement vite, hein, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, il faudrait que je me rende au sud. Oui, c'est au sud. Voir quand même que il y a alors je sais pas si ça se voit, je m'en souviens un peu, faudrait que je regarde, mais ça a quand même bien changé par rapport au premier, notamment au niveau des lianes. Je sais pas, la couleur me semble différente, c'est qu'une impression sans doute. Par là je sais qu'il y avait un djinn. Ouais, à ce niveau là il y avait un djinn, je sais, je m'en souviens encore. Ah mon dieu, c'est une embuscade! Utiliser de l'herbe quand même. Mais c'est pas comme si j'en drop un petit peu à l'infini. Ouais. Les monstres aussi ont changé. Une fourmi avec des gants de boxe. Ne cherchez pas pourquoi. C'est comme ça et puis c'est tout. Genre lui, là, il est vieux et il dit c'est amusant de se battre. Bon, chacun ses loisirs. Et nous voici à notre trigger, sans doute le plus important de cet épisode. Et c'est après celui-là qu'on va s'arrêter.
Bien, je vais donc reprendre ma parole et nous avons appris un peu plus sur cette histoire. Et nous rencontrons donc un nouveau personnage, Pavel, qui bizarrement dans Golden 1 pouvait parler et maintenant il ne peut plus. Peut-être que c'est comme d'habitude que les créateurs du jeu ont voulu que l'on se mette à la place du héros, que c'est fait exprès qu'il ne parle pas. Je peux comprendre. Alors, voyons voir si l'on est blessé. Ok, les deux bras c'est bon. Deux jambes sont en pec, j'ai rien. Bon, allons réveiller tout le monde. Voilà, nous avons récupéré tout le monde. La bonne question c'est, où est Alex? Bien, donc c'est la destinée de Cilia et je peux plus aller par là parce que c'est rempli de mobs. Ouais. Bien, nous allons donc bientôt nous arrêter. Même la musique du combat a changé. Personnellement, je préférais la musique de combat du premier Golden Sun. Je pense que c'était la meilleure. Après, c'est mon avis. Bien, et nous allons nous arrêter dans ce village de Daila, qui est fait un cliché musique orientale, bien sûr. Donc là, il y a un temple. J'hésite vite fait, puis je vais m'arrêter. Ah, là par contre, il y a un objet que je veux. Ouais, oui, s'il y a un objet comme ça, ça veut dire que tu vas le prendre un jour ou l'autre. Bien. Et c'est donc à du like, qu'on va s'arrêter. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de ce nouveau Let's Play de Golden Sun 2. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, mettez un pouce pour soutenir cette série. Mettez dans les commentaires... si vous aimez ça, si votre ressenti sur le jeu, si vous l'avez fini surtout, si vous avez des conseils, de vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos.
De quelque part, je mettrai la playlist pour Golden Sun 1 si vous l'avez raté. De vous abonner sur Twitter @israelus1. Bon jeu et à la prochaine.